Salut les potos, c'est Guerrier Ross, j'espère que vous allez bien. Donc là les gars, on est parti pour faire les défis légendaires de la semaine 14. Donc nous, le défi légendaire qui nous intéresse, c'est la quête du professeur Sloan, où il faut avertir les personnages du désastre à venir. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de PNJ sur la map. Donc vous avez juste à aller voir 3 PNJ pour leur parler et les prévenir pour valider le défi et avoir 45 000 d'XP. Donc moi ce que je vous conseille les gars pour aller plus vite, c'est de récupérer la soucoupe volante, ok, qui se trouve juste là, je vous fais voir sur la map. Hop, juste sur la droite de Corny Complex, vous allez sous ce pont et vous récupérez la soucoupe volante, ok les potos. Une fois que vous avez récupéré la soucoupe volante, hop, on va aller voir le premier PNJ qui se trouve le plus près, c'est celui-ci. Hop, et go, on y go. Hop, je pense que ça ira plus vite avec une soucoupe pour aller voir les 3 PNJ. Après, vous pouvez prendre un véhicule, c'est comme vous voulez. Soit un véhicule, un bateau ou quoi que ce soit, hop, on va atterrir. Tac, on va prendre le propre quand même, on sait jamais. Tac, maintenant faut monter les escaliers. On va aller parler au premier PNJ qui se trouve juste là. Tac, allez. Hop, reçu, la mission peut commencer. Voilà, donc oubliez pas de bien valider. Donc vous pouvez voir que j'ai fait déjà 1 sur 3. Donc reçu. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, hop, notre soucoupe qui est juste au-dessus, tac. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir le deuxième PNJ qui se trouve juste là. À la limite, on va faire celui-ci à Dirty Dog avant. C'est quand même plus près, il se trouve juste en bas. Donc vous pouvez voir que j'ai fait 1 sur 3, il m'en reste plus 2. Allez, on descend. Hop. On y arrive tout doucement. Voilà, le deuxième se trouve juste là. On va poser la soucoupe ici. Hop, et voilà, on va aller lui parler. Allez. Hop. Donc n'oubliez pas de continuer quand vous leur parlez. Voilà, je vais vite aller déplacer les bouchers miaouskles que j'ai planqués. Ok. Donc hop, 2 sur 3, vous pouvez voir en haut à gauche, regardez que ça a bien été validé, 2 sur 3. Donc je vous fais voir où j'ai été voir le premier, il se trouvait ici. Moi, j'ai pris les 3 PNJ les plus proches les uns des autres, le deuxième qui se trouve juste là à Dirty Dog. Et maintenant on va aller chercher le dernier les gars qui se trouve juste là, ok, pour valider la quête. Donc on reprend notre soucoupe volante. Et logiquement, vous pouvez voir que j'ai pris les 3 plus près, 1, 2 et 3. Donc allez, on va aller parler au dernier, ça doit être le fermier, oui c'est bien ça. Et j'ai pris des PNJ qui sont assez safe, assez easy, où il n'y a pas trop de monde. Au moins vous pouvez valider votre quête tranquillement sans devoir vous battre, ok les potos. Donc là maintenant on va aller voir celui-ci, hop. Et voilà. Allez, c'est le dernier pour valider la quête. Donc on rentre, tac. Et hop, on lui parle. Allez, go. Hop. Je suis d'accord pour chasser les envahisseurs, mais quand même. Hop, on valide, continuer. Mon maïs, mon précieux maïs. Voilà, donc j'ai validé la quête. Vous pouvez voir que, hop, avertir les personnages du désastre à venir. Donc regardez, la quête a bien été validée, avertir les personnages du désastre à venir. Donc j'ai fait 3 PNJ pour avoir les XP. Et là le dernier, je vous fais voir où il est, c'est ici à la ferme, ok. Donc voilà. Donc en tout cas les potos, si la vidéo vous a plu et grandement aidé, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air qui font grave plaisir. Les abonnements qui aident énormément les gars au niveau du soutien, référencement YouTube, etc. Franchement, vous êtes les boss, rien à dire, merci la famille. Et puis les gars, n'oubliez pas de mettre mon code créateur Guerrieros dans la boutique Fortnite. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut, portez-vous bien, ciao.